Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui aborder une vidéo qui parle d'un aspect de l'histoire de nos ancêtres. Bon, il y a des relents religieux là-dedans, mais mon but ici, ce n'est pas de faire du prosélytisme, non, ce n'est pas ça mon but, pas du tout. C'est pour vous dire pourquoi est-ce que les Akans ont appelé le personnage que dans le christianisme, on a appelé Satan, le diable. Satan, le diable, a été appelé dans les langues akan, Abonsam ou Sasabonsam. C'est ce que je veux expliquer. Quand les nations européennes sont venues sur la côte de l'or pour commercer, bon, ils ont légèrement parlé du christianisme, du Christ. Mais en fait, ceux-là n'ont pas été des gens qui ont vraiment prêché intensément le christianisme. Celui qui va vraiment booster le christianisme sur les côtes, c'est William Wade Harris, qui était un Koumen. J'ai fait une vidéo sur la question. Alors, quand les Européens ont parlé de ce personnage Satan, de sa cruauté, etc., les Akans se sont dit, mais tiens, le personnage dont ces gens-là parlent là, ça ressemble à notre Sasabonsam là, hein, à notre Abonsam là, ça lui ressemble. Mais qui est Abonsam ou Sasabonsam? C'est un esprit qui est un rocher, enfin, dont je peux dire la présence physique est un rocher, qui se trouve en Adansé. L'Adansé est un espace qui est au sud de la Chantilly. Vous pouvez vous référer à ma vidéo sur les cartes. J'ai appelé ça les cartes de ma vidéo, de mes vidéos, les cartes de mes vidéos. Voilà, vous allez voir où est l'Adansé. Son village, enfin le village où se trouve son grand sanctuaire, le grand sanctuaire de Sasabonsam ou Abonsam, s'appelle Patakuru. Vous savez qu'en cuit, quand on veut parler du village, on dit Krom. Mais concernant le village sanctuaire de l'esprit Abonsam ou Sasabonsam, c'est Patakuru. Ça en a dansé. Et l'esprit Sasabonsam ou Abonsam est le chef guerrier d'un autre esprit que les Akans appellent Bona. Bona, lui, il est représenté par une rivière. C'est un esprit qui est dans une rivière qui s'appelle Bona. D'ailleurs, les Agni Bona de Koumfao, de la région de Koumfao, leur nom Bona ne vient pas du serpent Bona qui a une sorte de corne sur la tête, comme ils le pensent. Non. Ça vient de l'esprit Bona, qui est une rivière qui en a dansé. Beaucoup de chefs Akan avaient un morceau du rocher de Sasabonsam sur lequel il faisait des sacrifices, voire même quelquefois des sacrifices humains. C'est vrai, quelquefois nous idéalisons nos ancêtres africains, mais c'était des êtres humains avec leurs faiblesses. Ça aussi, il faut qu'on comprenne ça. Certains frères ne veulent pas comprendre, ils veulent idéaliser tout. Évidemment, le fait que des racistes caucasiens nous ont tellement diabolisés, bon, quelquefois cela nous amène à vouloir idéaliser tout ce qui concerne ce que nos ancêtres ont fait. Non, il faut avoir aussi de la mesure. Donc, beaucoup de chefs Akan avaient le rocher, un morceau du rocher, hein, de Sasabonsam, sur lequel ils faisaient des sacrifices, quelquefois humains. Vous voyez. Donc, puisque Sasabonsam est un esprit qui est friand de sang et de sang humain, alors, quand les gens ont parlé de Satan, du diable, ils ont dit, mais le personnage Satan dont il parle là, ça ressemble à notre Sasabonsam là. Hein. C'est pourquoi, dans les langues akan, le diable est appelé Sasabonsam ou bien Abonsam. Mais voilà d'où cela vient. Voilà d'où cela vient. Vous voyez. Donc, je voulais vous expliquer pourquoi est-ce que les Akans ont appelé le diable Abonsam ou Sasabonsam. Vous voyez. Mais je voudrais aussi, à travers cette vidéo, demander aux jeunes Africains de faire l'effort
pour comprendre une langue africaine ou parler une langue africaine. Nos langues africaines sont riches. Le professeur Cheikh Anta Diop l'a montré. Dans nos langues africaines, on peut exprimer toutes les réalités scientifiques, etc. D'ailleurs, les premiers pas de la science, c'est en Égypte pharaonique. Ouais, c'est en Égypte pharaonique. Et même pour vous me parler de l'ingéniosité de nos langues, même des réalités qui ne sont pas de chez elles, nos populations ont trouvé le moyen de trouver un mot pour désigner ces réalités-là. C'est vrai, l'avion n'a pas été conçu par nos ancêtres. Mais en langue cuit, comment est-ce qu'on appelle l'avion? On l'appelle Dadianoma, c'est-à-dire l'oiseau de fer. D'ailleurs, les Esma, ils disent Aumaelene, c'est-à-dire la pirogue de haut. La pirogue du haut. Donc, les gens trouvent des moyens d'exprimer des réalités. Vous voyez? Par exemple, la Vierge Marie, comment les Esma l'appellent? Haché-Marie. Haché, c'est la virginité. Vous voyez? Ils ont des mots. Vous voyez? Les anges, comment les Nzma, par exemple, l'ont appelé? Ils ont appelé les anges Aouma Bovre. On appelle l'ange Aouma Bovre, c'est-à-dire le chasseur du ciel, le chasseur de là-haut. Vous voyez, non? C'est comme ça. Ouais. Maintenant, quand on veut parler du saint, on dit Aoundeleni, en langue Nzma, Aoundeleni. Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un dont le corps repousse ce qui est négatif. Voilà. En dernier. Vous voyez. Donc, nos langues sont d'une grande richesse. C'est un plaidoyer. Il faut que nos jeunes apprennent au moins une langue africaine. Au moins. C'est important. Je pense que certains pays ont moins une langue nationale. Il y a peut-être même plusieurs langues nationales. Le Sénégal, c'est le Wolof, hein, la langue des Wolof qui prime. Au Ghana, le Twi, etc. Au Togo, l'Évé, et puis le Mina, etc. Mais en Côte d'Ivoire, bon, il y a peut-être les langues qui se dégagent, c'est le Malinké parlé en Côte d'Ivoire, et puis le Baoulé, vous voyez. Mais ce n'est pas vraiment évident. Voilà. Donc, je vous remercie. Mon but ici, c'était de vous indiquer que nos langues sont riches. Nos langues africaines sont riches. Elles trouvent avec ingéniosité le moyen d'exprimer des réalités qui ne sont même pas quelquefois venues de chez elles. Je veux dire de l'espace africain. Mais je vais intituler cette vidéo Pourquoi les Akans ont appelé le diable Abonsam ou Sassabonsam. Donc c'est lié à un fait historique. C'est lié à un fait historique. Le fait que les Akans aient appelé le diable, le personnage du diable ou Satan, Abonsam ou Sassabonsam. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. D'ailleurs, les étudiants qui font des thèses, des travaux sur l'histoire de nos populations, sur ce qu'on appelle en général l'histoire précoloniale de l'Afrique. Quand vous faites l'histoire, vous faites des recherches sur un peuple, mais il faut comprendre la langue de ce peuple-là. Sinon, alors vous aurez agi comme les africanistes français, qui parfois viennent faire des études sur un peuple, puis ils ne comprennent pas un traitement de la langue de ce peuple. Non. Parce qu'à travers la langue se profile la culture, la pensée, la philosophie, la vision du monde de cette population-là que vous voulez étudier, de ce peuple que vous voulez étudier. Donc c'est important. Je le dis pour les étudiants qui font des travaux sur l'histoire précoloniale, sur nos peuples, ils ont intérêt à apprendre la langue du peuple sur lequel portent leurs études, leurs recherches. Donc cette université dans laquelle j'enseigne, l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée.